121 ans du lac au Crapet. La semaine dernière, les policiers Jean Ked et Agenda ont capturé Dratanus Legault, le chef de la mafia mondiale et le maire Credi, qui voulait passer de la mairie du village à la domination du monde. Mais dans cette ville, tout est possible. Certains endroits sont plus calmes, plus normaux et loin de la corruption. Du moins, en apparence. Retrouvons-nous dans un de ces lieux étrangement tranquille. L'appartement béni et de Franceux, où l'amour règne et où le mal n'a pas sa place. Du moins, pour le moment. Annie, je t'aime. Franceux, je t'aime. Annie, je t'aime. Je t'aime, Franceux. Annie, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Annie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je le sais. Je t'aime. J'aime notre enfant. Mais on n'a pas encore d'enfant. Ben, je sais, mais je pense. Phew. Tu m'annonces quand même pas que t'es enceinte. Mais pas encore, mais j'aimerais bien te l'annoncer bientôt. T'es certaine qu'on est prêt? Ben moi, je suis prête. Mais y as-tu pensé, un bébé, c'est tout petit, fragile, ça pisse partout, ça pue, c'est pas autonome, un peu comme mon grand-père. Oui, mais c'est ta mère qui s'occupe de ton grand-père. Je sais, mais quand ils viennent, je m'en occupe aussi. Ce sera tellement beau, un bébé à nous. Pourquoi? T'aimes pas ça dormir? T'as trop de temps libre? Je peux t'arranger ça. Eh non, mais c'est comme ça, là. J'en peux plus, là. C'est l'appel de la maternité. Ben, tu sais, t'es pas obligé de répondre. Ça peut sonner occupé à ton appel de la maternité. Il me semble que tu ferais un bon père. Ça, c'est sûr, mais... Il sera beau avec tes yeux et ton sourire. Puis si c'est un gars, je pourrais y apprendre à jouer au hockey. J'achèterais ses premiers patins. Il deviendrait une star comme Sidney Crosby. Puis battrait tous les records de Wayne Gretzky. Mais c'est trop tôt. Mais c'est le temps! J'ai le droit d'un congé maternité en tant qu'enseignante. Puis toi, ben, t'as un très bon emploi à vide. Je vais y penser. Je suis vraiment contente d'avoir un enfant. J'ai dit que j'allais y penser. C'est ça que je dis, on va avoir un enfant. J'aime ça quand tu me fais ça. Peu importe ce que j'ai dit, tu vas décider que j'ai dit oui. T'as tout compris. Non. Une chance que je t'aime, dans le fond. J'en veux des kids. Donc, tu dis oui pour vrai. Tu ne changeras pas d'avis? Ben non. Je veux dire oui. Non, je ne changerai pas d'avis. Je t'aime. J'espère, hein? Bon. Maintenant que c'est réglé, il va falloir le faire, cet enfant-là. Ça, c'est la partie la plus intéressante. C'est vrai, hein? Il paraît que ça fait mal à coucher. Au moins, c'est pas moi qui vais le porter. Oui, mais tu sais, pourquoi pas? Non, ça serait bien que les hommes fassent une bonne part là-dessus. Ça, c'est depuis des siècles, depuis toujours. Nous autres, on souffre pour vous donner des enfants. Nous aussi, on souffre, tu sauras, hein? C'est pas évident d'endurer vos sortes d'humeur puis vos caprices. Ah, bon. OK, bien, pour l'instant, en ce moment, j'en ai un caprice. Faisons-le. Je suis prête. Je veux en ce moment. T'avais vraiment tout prévu. Je sais, mais tu sais, je suis parfaite, je planifie tout. Ah! Ça, tu l'avais pas prévu, j'imagine? Non, mais je suis quand même pas voyante. Allô? Ouais? Non. Ah, peut-être.
C'est rouge? Non, non. Pas Maria. Ah, c'est vrai. J'aime mieux le plan B. Bon, OK. À ce soir, Sergueï. C'est vrai, Sergueï, Maria vient de souper ce soir. Oui. Puis, il devait amener le vin puis le dessert, mais Maria pensait amener un pain au thon qu'elle voulait faire, mais il n'a pas levé. Que je lui ai dit qu'on s'en occuperait. OK. Mais avant de préparer le souper, on peut peut-être passer à notre dessert personnel. Un dessert que je ne veux pas partager avec eux. Oh, c'est un dessert qui risque d'être chaud. Attention, pourquoi te brûler? Ah, mais je n'ai pas l'intention de me brûler. Je veux procréer. Et tu cherches un homme prêt à te féconder? Oui. M'en connaîtrais-tu un par hasard? Je sais pas. Laisse-moi chercher. Je vois personne d'autre que nous deux ici. Bon, ben dans ce cas, je devrais me contenter de ce que j'ai sous la main. J'ai pas le choix. Je vais me soumettre à ton caprice. OK. Suis-moi. Ça va être hot. J'ai bien fait de dire oui. On va avoir un enfant! Ah! Bonjour, Sergueï! Bonjour, ami! Entrez, entrez! Faites comme chez vous! Dans ce cas, je prendrais bien de la vodka! Moi, j'en ai pas. J'ai juste de la bière. Bah, c'est une blague. Je vais prendre une bière. Puis on ouvrira notre vin plus tard. Mais tirez-vous une bûche? C'est quoi, une bûche? Ben, soyez-vous. Toi, Maria, veux-tu un apéro? J'ai du Saint-Zano. Je sais pas ce que c'est, mais vous avez goûté. Et comment vous trouvez notre petite ville? Ça va être beau. Je trouve que vous, les Québécois, vous êtes chaleureux. On n'a pas le choix d'être chaleureux avec les hivers qu'on a. Vous avez de l'eau, beaucoup d'eau. C'est impressionnant. Ça fait 2 mois que vous êtes arrivé dans notre petit village. Oui, camarade. Vous nous avez tellement vanté votre petite ville sur Facebook que nous avons décidé de déménager près de chez vous. Et on n'est pas dessous. C'est drôle comment la vie est faite. Hein? Tu te rappelles, Sergueï? On s'est rencontrés à une conférence qui était donnée à Ottawa. Ah, sur l'impact du réchauffement climatique sur les palourdes royales. J'étais ambassadeur de Moscou. C'est d'ailleurs à cette même conférence que j'ai rencontré Sergueï. Je suis une grande experte mondiale de la palourde royale. Ma Maria a même une maîtrise. Oui, je maîtrise très bien la palourde royale. C'est Sergueï qui doit être content. Comme c'est beau. Ça a été coup de foudre d'amitié et coup de foudre d'amour. Oui, Sergueï, je t'aime. Vous êtes beau à voir. Je suis content que vos gouvernements aient décidé d'installer une ambassade à Saint-Rin-Tintin du lac au Crapé. Le souper est prêt. Venez vous asseoir. Ça a été bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un pâté aux écrevisses. Je vais te donner la recette. Non. Qu'est-ce que c'est, Sergueï? C'est correct, Sergueï. Il est mort, l'écrevisse. Excusez-le. Non, il n'y a pas de problème. Moi, pas pleurer. Juste une petite poussière que j'avais dans l'œil. Mais moi, plus avoir faim. OK. Ben, on peut passer au dessert. Vous allez voir, ma femme a préparé un gâteau au cul de castor et à la sève d'orignal. Mamma mia, c'est dégueulasse! Mais non, inquiète-toi pas, j'ai pas mis de vrais animaux dans mon gâteau. OK, je vais y goûter. Ça va être bon! Et parlant de bon, Annie et moi, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. On a décidé d'avoir un enfant. Un enfant bébé. Oui, oui. Comme c'est mignon! Ils vont avoir un bébé! Félicitations, ami.
Maria, on se faire une bonne mère. Tu seras la plus merveilleuse des mamans. Merci. Ah, je suis vraiment contente de t'avoir comme amie. On vraiment va t'arriver dans notre village, nous fait le plus grand bien. Merci, Annie. Je suis très contente que tu sois mon amie. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec le souper? Rien de grave. Moi, avoir juste pensé à un traumatisme de mon enfance. T'as eu des problèmes avec des écrevisses? Da! Quand moi j'étais petit bébé, mon père me faisait jouer avec des crabes, des écrevisses et des homards pour m'endurcir. Ça a avoir fonctionné. Mais maintenant, ils me font peur. Ça va aller? Non, Sergei, tu n'as pas le droit de pleurer. Ce n'est pas ta mission. Comment, ta mission? Da. Je suis en mission diplomatique pour l'ambassade. Ok, je comprends. Bon, il se fait tard. Maria et moi devons aller faire dodo. On a grosse journée demain. Viens, Maria, on part. Au revoir. Merci pour la belle soirée. Ça n'a pas été un long souper? Au moins, ça nous fait des restants de pâté aux écrevisses. C'est ton plat préféré, en plus. Non. Mon plat préféré, c'est toi. C'est vrai, Joville. Suis-moi. Tu t'insistes. La nuit tombe et la nature fait son œuvre. Soudain, un intrus entre dans l'appartement. Il semble un peu perdu et s'adresse à un porte-manteau. Bonjour, monsieur. Avez-vous vu mon petit-fils? Je crois qu'il est en danger. Il travaille pour le gouvernement et ils veulent l'enlever. Ah, vous avez raison. Il faut pas paniquer. Je dois rester calme et vif d'esprit. Comme quand j'ai participé à la guerre de 100 ans, là, en 1987. J'avais Jules César et Adolf Hitler devant moi. J'étais armé uniquement d'un perroquet que je devais livrer à la Castafiore pour le dîner. J'ai pas paniqué. Et d'un coup de bec, j'ai fait tomber le régime communiste et le régime Montignac. En même temps, mon petit-fils, il doit faire la même chose, même s'il n'a pas de perroquet, lui. Ah! Rappelez-vous! Il nous attaque! Armez le perroquet! Baissez le pavillon! Lavez les huîtres! J'aime Dieu, moi! Je vais aller voir ce qui se passe. Inquiète-toi pas, je suis là. Grand-papa, c'est vous? Il est bon, ton poulet! C'est pas du poulet, c'est un pâté aux écrevisses. Qu'est-ce que tu fais là? Non, elle n'est pas là. Mais moi, je suis là. Je dois te prévenir que tu es en danger. En danger? Pourquoi? Tu veux devenir roi? Ouais, ça complique les choses. Déjà, en tant que fonctionnaire, ta vie est en danger, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Marilyn n'était pas une agace. Si tu veux que je t'aide, là, sois un peu plus poli. Que veux-tu? Je veux pas qu'il te tue. Fais attention aux espions. Je crois qu'ils te surveillent. Ils t'ont peut-être même déjà contacté. Pourquoi des espions voudraient me contacter? Non, je suis pas contaminé. Ils m'ont pas encore déployé leur virus. Quel virus? Non, pas sur Vénus. Ici, sur Terre. Ok. Reviens sur Terre, grand-papa. Il n'y a aucun complot ici. Oh, je crois que tu as raison. Ils ne feront rien avant midi. Pas de panique, c'est juste la porte. Je le sais que Marilyn est morte, voyons.
Il est parti! Il est parti! Je le trouve pas! S'il te plaît, aide-moi! Ok, ok, je vais t'aider. Regarde juste ici. Papa, je t'inquiète! Mais pourquoi veux-tu que je pète? Je l'ai couché dans son parc, comme d'habitude, lorsque je me suis levée vers minuit pour boire de l'eau. Je le trouvais plus. J'ai cherché partout, sous les oreillers, dans les placards, dans le four, à Berlin. J'ai fait le tour du monde en faisant du surf sur Internet, introuvable. Après être allé faire le tour de la Maison Blanche, je me suis dit que je n'avais pas pensé à chez toi. Alors, me voici et le voilà. Papa, je vous ai retrouvé. Oui, je suis venu le sauver. Excuse-le, ton grand-père pense que quelqu'un lui parle à travers ses rhumatismes. Un message codé qui te concerne. Fais pas attention à lui. C'est un vieux fou, mais on l'aime comme ça. Non, 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 c'est pas Mère Teresa. J'ai pas bien compris le nom de l'espion, mais je sais que c'est pas elle. Je pense que son nom, il commence par une lettre. Oui, c'est ça, papa. Excuse-nous de t'avoir dérangé à 1h du matin. Oh, pas de problème, maman. Hein? On se reparle de tout ça demain. T'es certaine que ça va aller avec grand-papa? Ben oui, le connaissant, il va tomber endormi dans son banc d'auto. Je m'appelle pas Toto, moi! Salut, mon grand. Bonne nuit. Oui, oui. Je pense que je vois des perdrix. Cui, cui! Cui, cui! Cui, cui! Je pense que c'est mieux que si je le rattrape. Bonne nuit, maman. Oh, bonne nuit, tu peux y aller. Oh! Il est presque 2 heures. C'est une bonne idée de retourner au lit, hein? Je travaille demain matin. Bonjour, chers concitoyens. N'oubliez pas de voter pour le mercredi dans 2 jours. Non, en fait, c'est demain les élections. Il est 2 heures du matin. C'est quoi l'idée de frapper à la porte du monde aussi tard? Non, aussi tôt! Vous savez, je suis un oiseau de nuit. Quand c'est sombre dehors, c'est là que je vois le plus clair. Bon, maintenant que je suis réveillé, qu'est-ce que vous voulez me dire? Je suis content que vous me posiez la question. J'ai un programme qui va mettre notre ville sur la map. Je le sais qu'on est un petit coin perdu en plein milieu du Québec, mais ça va changer. On va devenir un petit coin perdu en plein milieu du monde. On va commencer par se séparer du Québec. Après ça, on va fusionner avec les States. Oh oui, les States. On va devenir la capitale des States. Après ça, on va forcer le Canada à devenir américain. Et le monde entier va suivre. On va appeler ça la planète State. Ah, beau plan, monsieur le maire. Hein? Mais vous êtes certain que vous allez être élu avec tous les scandales de corruption? Ah, c'est que des rumeurs. Et puis, j'ai acheté le silence. C'est pas parce qu'il y a des vidéos de moi en train de donner de l'argent à Dratanus Lebeau, qui est, soit dit en passant, le chef de la mafia mondiale, que je suis un criminel. Je suis intègre, moi, monsieur. C'est pour ça que vous avez passé quelques jours en prison la semaine passée. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce devait être mon frère jumeau. Personnellement, j'ai donné les enveloppes brunes aux bonnes personnes. Je suis donc innocent. Et vous me prenez pour un innocent? Ah, je vous ai entendu. Bien sûr que le peuple est innocent. Bien sûr! C'est pour cela que je vais être réélu. Ah, vous ne me reconnaissez pas, hein? Je suis directeur des loisirs de Saint-Rin-Tintin. Je vous connais bien, puis je sais de quoi vous êtes capable. Je ne voterai jamais pour vous. Ah, mais vous avez encore le temps de changer d'idée.
Non, je voterai pas pour lui. J'aime mieux mon lit. Piti. Avions-nous vu mon petit poisson? Non, monsieur, puis je suis pas intéressé. Piti. C'étions très important. Je m'appelais Piti, comme mon poisson. Et j'étions vendeur de poissons. Puis je parlions pas de n'importe quel poisson. Je vendions de la morue parlante du bas de la Gaspésie orientale. Oh, ça m'intéresse pas, ça. Piti. J'avions un poisson qui s'étions évadé de mon camion. La porte de sa cage s'étions ouverte. Vous mettez vos poissons dans des cages? Ben, c'est comme ça qu'on faisait par chez nous. Mais le petit Vlimeux avions réussi à ouvrir la cage avec ses branchies. Oh. Ça fait des heures que t'es levé, t'es pas fatigué? Je suis épuisé. Mais il y a toujours quelqu'un qui frappe à la porte, même à 3 heures du matin. Piti. Vous étions pas petit, mais vous étions pas mal cute. Bon, vous allez sortir de chez nous, monsieur, là, on frappe pas pour des gens à cette heure-ci. Si vous voyons petit, voulions-vous... Oui, on va vous le pitcher en face. OK. Oh. Merci, Annie. J'en peux plus. Je savais plutôt comment le faire partir. Ben, je suis là pour toi, mon amour. Hein? Je suis là pour te protéger. C'est drôle. Je n'étais pas en danger. Juste fatigué. Véronie était là pour te sortir du trouble. Oh non. Il va pas revenir. T'inquiète-toi pas, je m'en occupe. Hey, ça va faire le niaisage, on frappe pas à la porte du monde à 3 heures du matin. C'est pas gentil, ça? On parle pas à un agent de police comme ça. Je suis l'agenda de la police municipale. Excusez-moi, là, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Ça sent bon? Avez-vous fait un pâté aux écrevisses par hasard? Mais pourquoi venez-vous frapper à notre porte à cette heure-ci? C'est pas de ma faute. C'est le chef qui m'a demandé de faire du porte-à-porte. Il y a un méchant qui s'est échappé de la prison. Moi, je pensais qu'il était gentil, mais il était méchant. Il avait envie d'aller aux toilettes. Je l'ai laissé sortir pour se soulager dans les toilettes à côté du bureau du boss. 2 heures plus tard, je trouvais ça bizarre qu'il soit pas sorti des toilettes. Ça fait que je suis allé voir. Il était plus là. Puis, en plus, il y avait quelqu'un qui avait fait un trou dans le mur. Pourquoi qu'il est pas allé aux toilettes dans sa cellule? Il me semble qu'ils ont comme toujours comme un bol. Comme un... C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Puis c'est qui s'est échappé? C'est le mercredi. On l'a arrêté la semaine passée parce qu'il était méchant. Mais il est parti. Je viens de le voir. Il fait du porte-à-porte dans la rue. Il est parti? Oui, vers la rue Barbe, je pense. J'y vais! Maintenant, on va se coucher. Bonne idée. Bonjour, je suis Jean Kemp, le meilleur enquêteur depuis Scooby-Doo et le monstre du Mexique. Et voici mon coéquipier, l'agenda. Et nous cherchons un méchant! Et on sait, vous venez juste à partir d'ici, agenda. Tu ne m'as pas dit que tu avais déjà interrogé ces gens? J'ai dû oublier. Ça fait tellement longtemps. Êtes-vous allé voir sur la rue Barbe? J'y suis allé, mais le maire n'était plus là. Il a peut-être tourné sur la rue, si. Lorsque le suspect est venu vous voir, a-t-il dit quelque chose de spécial? Oui! De spécial!
Il m'a dit qu'il voulait se présenter aux élections et qu'il désirait faire de notre village le centre du monde. C'est bien ce que je craignais. Il a encore la folie des grandeurs. Oui, des grandeurs! Je dois mettre la main sur ce criminel le plus rapidement possible. Oui, il faut faire vite! Bon, ben dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites encore ici, hein? Dépêchez-vous, allez l'arrêter. C'est pas fou, hein, comme plan? Allons-y, Da! Le devoir nous appelle! Monsieur le maire, on arrive! Je pense qu'il est caché! Bon, on va se coucher maintenant. Ouh, si quelqu'un frappe à la porte, toujours plus. Bonne idée. Après cette nuit mouvementée, France réunit dort enfin. Mais une nouvelle intruse pénètre le domicile des amoureux. Je crois que c'est bien ici. Je perçois des ondes d'amour pur. Il devrait résister à la maternité. Oh, j'ai rien reçu. Étrange. De quoi il parle? Bon, je vais me concentrer sur ma cible. Elle s'appelle Annie et elle veut un enfant de couleur peau. Je crois que je peux lui arranger ça. Bon, avec tout ça, je suis pas capable de dormir. Un bon livre, ça va m'aider à relaxer. Ah! Ne criez pas! Au secours! Il y a une voleuse dans la maison, pleine des ailes! Mais non! Je ne suis pas une voleuse! Je suis une donneuse! Une quoi? Je me présente. Je suis la féconde. Et selon le rapport que j'ai reçu, vous voulez vraiment avoir un enfant. Qui vous a dit ça? C'est mon travail de tout savoir. Ah, vous êtes une fille? Oui, et je vais placer un petit bébé dans votre ventre. Vous pouvez faire ça? Non, mais il est déjà là. Je vais juste l'aider à bien se développer. Ah, comment? Je suis enceinte? Vous venez juste de le concevoir. Normalement, il devrait arriver dans... 9 mois. François! Ne le réveillez pas. Les hommes comprennent mal les faits. Ils font aussi de très mauvaises faits. Pourquoi vous dites ça? Mon frère est une fée. Il fait tout, tout croche. Allô, Madame Combe! Alors, la gang, on voit ici la féconde qui aide une madame à avoir un bébé. Pourquoi elle n'a pas l'air contente, la féconde? C'est parce que c'est ma sœur. Puis les sœurs sont jamais contentes de voir leur petit frère arriver. Mais pourquoi? Je sais pas. J'ai jamais été une grande sœur. En tout cas, on va faire la fête! C'est le party! Oui! On va faire le party! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et où sont les autres enfants de la garderie des fées? C'est une sortie éducative, madame! Steve, arrête un peu! Tu fais honte aux fées! Tu le sais bien que tu n'as pas le droit de les amener ici. Je suis en mission! Oh! C'est lui ton frère? Oui, malheureusement. Elles sont belles, vos ailes! Mais là, c'est pas juste! Tu sais, moi aussi, je vais y aller en mission, là. Je suis capable! Il est capable! Ah oui! Tu as déjà eu ta chance et tu l'as manqué. Hey, c'est pas de ma faute, OK? J'ai juste un peu inversé 2 formules. C'est pas de sa faute! La fée Steve a obtenu un contrat comme fée des dents. Un petit garçon a perdu une dent à Hiroshima et au lieu de faire apparaître 1 $ comme il doit,
le faire une fée des dents normale, il a fait exploser une centrale nucléaire. C'est bon pour le commerce, là, hein? Il y a plein de gens qui ont perdu des dents tout en même temps dans la même région. Quelques années plus tard, on t'a encore fait confiance. Tu devais livrer des cadeaux pour le Père Noël et tu t'es écrasé sur le mur de Berlin. Il était dans le chemin, OK? Puis en plus, ça a marqué l'histoire. C'est pas pour rien qu'on t'a demandé de rester au royaume des fées. Maintenant, on te fait confiance avec les petites fées. Et qu'est-ce que tu fais? Tu les amènes dans le monde des mortels sans permission. Avez-vous remarqué que vos petites fées sont parties? Oups! C'est malin, ça! Des petites fées avec des petits pouvoirs qui sont libres dans la ville. Il est drôle, le monsieur! Oh, je viens d'en trouver une! C'est qui, eux autres? Moi, je suis la festive. Et je crois qu'il faut fêter ça. Vous allez avoir un bébé! Oh oui, on a décidé ça hier soir. Et vous l'avez fait hier soir! Comment? Je vais être papa? Eric, oui. Hey, c'est trop cool, ça! Mais pourquoi t'es venu ici sans raison? Je veux la vraie raison! Ben, je m'emmerdais. Puis j'avais le goût de t'aider un peu. Tu n'en as pas le droit. Tu n'as qu'un permis de fait temporaire. Depuis que tu as fait tous tes gaffes. Oui, mais si je veux redevenir une vraie fée, il faut que je montre de quoi je suis capable de faire. Bien, je contrôle très bien ma magie maintenant. Regarde. À la cabri, bracadabra! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mal au cœur. Qu'est-ce qu'il y a, Annie? C'est malin, tu as accéléré la grossesse. Tu sais bien que c'est interdit. Ah, shit. Il est trop tard. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Suis-moi, on va essayer de réparer ton autre gaffe. Oui, retrouvons les petites fées. Après ces aventures, la courte nuit se termine. François et Annie doivent maintenant affronter leur dure réalité. Je pense que j'irai pas au travail ce matin. Et ça a été une nuit de fou. Au moins, ça finit par une bonne nouvelle. Ouais, peut-être, mais certain que c'est normal. C'est vrai que ça devrait pas paraître autant. Tu sais, je suis grosse comme un hippopotame, ça fait juste quelques heures que je suis enceinte. Je pense que je vais appeler le docteur. Et je mangerai des céréales au foie gras dans un bol de punaise de lit, moi. Allô? Est-ce que je peux parler au docteur qui est là? Non, pas le docteur qui est pas là. Le docteur qui est là. Ah, bonjour, docteur. Bonjour, docteur qui est là. Pouvez-vous venir examiner ma femme? Non, je ne veux pas la vendre. Elle est enceinte. Merci. Environ 10 heures. Je pense que le bébé donne déjà des coups de pied. OK, merci. Docteur, il arrive, là. Oh, qu'il fasse ça vite. Je commence à avoir des contractions. Ah! Et je pense que je vais perdre mes os. Où ça? Ah! Ah non, fausse alerte, c'est juste un os de poulet. Ah ben, merci d'être venu si vite, docteur. Aucun problème, monsieur Flanzer. Et ici? Ah, depuis chez vous, hein? Ah, ça fait mal. Ah, écoute-toi, ça va aller mal, là. Une femme enceinte, c'est un vrai cocktail d'hormones Molotov. D'accord. Faites ah!
Plongeux, je crois que Annie est enceinte. Allô, petit bébé! Viens voir le docteur Guilla. Fais pas ton timide. Et puis, docteur? Le bébé n'est toujours pas sorti. Voulez-vous que je le sorte seul? Non. Je m'en occupe. Je vais voir où il est, grâce à cette pelle de jumelles. Je vais voir c'est qui. Attendez-moi là, avant d'accoucher. Oh oui, pas de problème. Tu veux que je t'écrive un poème tant qu'à ça pendant que je pousse? Non, ça va aller. J'ai pas vraiment le temps de lire en ce moment. Ma branche de cerisier m'a indiqué qu'il y a une femme qui accouche dans cette maison. Ben oui, et juste ici. Oh, vous êtes qui, vous? Oh, aidez-moi, là, ça fait mal, là. Non, partez, là, je vous connais pas, là. Pourquoi tu me fais ça? Toi, je t'haïs! Non, je t'aime, mon amour, là. Je t'aime. Les ondes qui se dégagent sont spéciales. Je ne vois toujours pas le bébé. Bon, aligne vos chakras. Placez votre yin et votre yang et méditez. Mais vous êtes qui? Si telle est votre demande, mon âme se présentera à la vôtre, monsieur le géniteur. Mon appellation terrestre est Fernande. Je suis une sage-femme qui a reçu un signe qui me disait que je devrais aider cette pauvre demoiselle en détresse. Je le vois, sa tête approche. Laissez-moi faire. Je vais filtrer les ondes pour que ce bébé arrive dans la sérénité. Il n'en est pas question. C'est moi, le docteur. Vous serez calme et solennes quand je sentirai le bébé de ce ventre. Si vous le prenez comme ça, j'invoque les esprits du grand Manitou. Délivrez cet homme de la folie matérialiste et faites entrer la paix dans son cœur. Mais vous êtes folle! Laissez-moi faire! Je suis en contrôle de toutes les énergies. C'est à moi de procéder. Il n'en est pas question. Ils m'ont appelé. J'ai l'autorité nécessaire pour procéder à l'accouchement. Et moi, j'ai l'autorité divine. Ça compte pour beaucoup. Faites-la sortir d'ici ou je vais sortir de mes gants. Je vous présente mon enfant. Quel merveilleux poupon! Et où est le cordon ombilical? Je ne sais pas, je pense qu'il l'a coupé tout seul. Ah, il est plein de boulières! Mais il y a quelque chose dans son aura. Je ne vois pas d'aura. Faites ah! Je vois. Faites b. Intéressant! Faites m. C'est étrange! Étrange? Oui, étrange! Selon la théorie du Bang Bang de Nicolas Bellonguel, votre enfant serait né prématurément. Apparemment, vous auriez fait la moule seulement quelques heures avant sa naissance, ce qui entraîne de graves conséquences dans son développement. Comme quoi, docteur? Ben, comme tous les membres du bébé ont été créés de façon accélérée. La structure moléculaire de votre petit est différente de la nôtre. Ah oui? Oui, regardez-le. Sa peau est en plastique. Sa bouche ne bouge pas. Il est indestructible. On pourrait échapper le bébé, le lancer. Il ne le sentirait aucune douleur, ni aucune commotion cérébrale. C'est un cas unique. Oui, il est unique. Le bébé sans aura aura le don. Nostradamus a parlé à deux filles le matin. Nous allons
canaliser son énergie corporelle pour le guider, son âme perdue. Franzeux, fais quelque chose. Oui, Franzeux. Fais sortir toute la puissance divine de ce poupon. Non, fais-les sortir, là. Je suis plus capable. Elle est déjà sortie d'ici. Il n'est plus dans votre ventre. Sortez de la maison. J'ai besoin de calme. Vous avez compris? Ma femme a besoin qu'on reste seule. Merci pour votre aide, mais on va se débrouiller sans vous. Quelle aide? C'est toi qui m'as aidé à coucher. Mes précieux conseils seront toujours à votre disposition. Gardez la foi. Cet enfant vous bouleversera. Au revoir. À bientôt, j'espère. Non, au revoir. Ça s'est quand même bien passé. Et je mangerai des cuisses de grenouilles trempées dans le Nutella. C'est pas pendant la grossesse que t'es censé avoir des drôles d'envie? Ouais, mais d'habitude, comme le bébé est arrivé si vite, mes hormones sont un peu débalancées. Ça fait que... Écoute tout le cul, là. Je veux mon lunch. S'il te plaît. Et j'ai hâte que ça passe, ton débalancement d'hormones. Je pense que je vais t'amener au garage. Ils sont capables de faire balancer des pneus. Ils peuvent sûrement faire la même chose avec tes hormones. Ha, ha, ha. Essaye donc pour voir. Le lendemain matin, les nouveaux parents apprivoisent leur nouveau rôle. Il est de qui le beau bébé? Il est de qui le beau bébé? Comment? T'es pas certain que c'est notre enfant? Oui, il est à nous. Hey, regarde-le. Il a tes yeux. Je trouve ça bizarre qu'il ait changé de couleur. Hein? C'est vrai, hein? Il était blanc à la naissance, puis maintenant, il est comme rayé. Ouais. On n'a pas encore trouvé son sexe. Hein? Ouais, c'est vrai. D'habitude, un jour après avoir accouché, on connaît le sexe du bébé. Ouais. Puis là, ben, c'est dur à dire. Ben, aussi, il va falloir trouver un nom hein, au lieu de l'appeler bébé. Ouais, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais de Bobinette? Non, ça fait trop marionnette. OK. Camille? Ça fait trop fille. Olga? Ça fait trop gars. Ça lui prendrait un nom qui n'a pas de sexe. Ah, oh, pourquoi pas? Butch. Pas fou. Comme ça, s'il devient une fille en grandissant, on aura juste à ajouter un E. Puis s'il devient un garçon, ben non, il est correct comme ça. Ouais. On y reviendra plus tard, je pense. Mais Maria, qu'est-ce que t'as? Je ne pleure. Pourquoi je pleure? Ah! Oui, c'est guerre et moi, c'est fini! Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je le sens, il me cache quelque chose. Je crois qu'il ne m'aime plus. Et moi, je l'aime! Mais t'es certaine? Tu sais, Sergueï, il n'est pas très chaleureux, mais je pensais qu'il t'aimait. Pour lui, le plus important, c'est la mission. J'en peux plus! De quelle mission tu parles? Il est en mission diplomatique. Partout dans le spa. Telles sont les paroles prononcées par Marie-Madeleine lorsqu'elle a invité Pierre à un banquet chez Haché. Mais perdu, quel bon vent vous amène? J'étais en train de donner une messe quand je me suis souvenu que vous aviez eu un bébé. J'ai donc quitté l'église pour venir vous féliciter. Mais père, vous n'avez pas terminé votre messe? Oui, c'est vrai. J'ai justement préparé un sermon sur les ressemblances entre la religion et les films de Chuck Norris. Et puis, c'est quoi les ressemblances? Bien,
il n'y en a aucune. Et c'est ça, la beauté de la chose. De toute façon, je pense qu'il est trop tard. La messe doit être finie à cette heure-ci. Comme c'est dommage. Merci de m'avoir reçu. À la prochaine. Vous veniez pas voir mon bébé? C'est vrai. Où avais-je la tête? Félicitations, madame. Oh, c'est moi, la mère. Et je parlais à votre bébé. Non, moi, c'est Maria. Je suis une amie. Ah, très bien. Je vais immortaliser la venue de ce bébé grâce à mon nouvel appareil à ultrasons de type gamma. Il est fantastique. Lorsque je mets mon doigt sur ce bouton, des ultrasons sont projetés dans l'espace et ils photographient tout ce qui s'y trouve. Ensuite, ils reviennent dans mon appareil et ils sont analysés. C'est pas un peu dangereux pour Butch? Pas du tout. Mais au fait, qui est Butch? C'est notre fils-fille. On connaît pas encore le sexe. Eh bien, si je me fie à ce que je vois, je crois que c'est un garçon. C'est sa jambe, ça, docteur. Mais il a du muscle. Mais voulez-vous le prendre, perdu? Avec plaisir. Après tout, c'est un enfant de Dieu. Non. C'est un enfant à Annie et à moi. Il est superbe, ce petit. Mais vous tenez un ourson en peluche perdu. Je trouvais qu'il était poilu pour un bébé. Il est ici, mon enfant. Tant qu'à être ici, je vais le baptiser. Ah, oh, ça, c'est une bonne idée. Ben oui. J'ai justement amené ma nouvelle machine à faire des baptêmes. J'insère le poupon, qui ne connaît pas encore Dieu, dans ce trou et il ressort converti. Je suis pas certaine. Je pense qu'on aimerait mieux faire ça à l'ancienne. Ouais. Bon, c'est comme vous voulez. Mon appareil à ultrasons de type gamma est aussi capable de lancer de l'eau bénite. Ça va faire l'affaire. Alors, partis epititus sandiu. Que Dieu aille dans toi. Amen. C'est fait. C'est bien. Le petit sera protégé. Protégé de quoi? De rien, du monde. Il y a beaucoup de méchants. Tu vas pas commencer à délirer comme mon grand-père. Mais Wilfred, ne délire pas. Tu es vraiment en danger. Alors, on va prendre la photo. Je peux pointer mon appareil n'importe où. Mamma mia, c'est quoi ça? C'est étrange. Je vais devoir le reprogrammer. Je crois que je comprends mon erreur. Cet appareil multifonction était réglé sur le mode destruction. Excusez-moi, c'est un prototype qui a été créé par l'armée américaine. Voulez-vous qu'on recommence? Non. Ça va aller. On a déjà beaucoup des photos de du bébé. Je pense pas que la ville pourrait survivre à une autre erreur de programmation. Très bien. Dans ce cas, je vais y aller. J'attends justement un colis du ministère de la Défense. Qu'est-ce que vous attendez? Un vieux réacteur nucléaire dont ils ne se servent plus. Il est presque neuf. Ça tombe bien, j'ai découvert une mine de plutonium dans le sous-sol de l'église. Que la paix soit avec vous. OK, bien, notre bébé est correct. Il n'est pas reposant, notre perdu. J'espère que Sergueï est correct. Même s'il fait souffrir Maria. Ah, oh, regarde, il arrive. Oh, ben, ils ont l'air de s'être réconciliés. Aïe, aïe, aïe! Quelle explosion! Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pas savoir. J'espionnais discrètement votre conversation quand tout à coup, boum!
le camion blindé dans lequel je me cachais a explosé. Tout de suite après, moi avoir vu petits enfants avec elle. Est-ce que moi être fou? Non, mon chéri. Non, ça c'est juste des faits. Mais pourquoi tu nous espionnais? Ah, ça être top secret. C'est la mission. Toi et Sergueï, c'est pour nous? Non, je l'aime. Moi aussi. Mais pas de montrer émotion. Ça est trop mauvais. Mais voyons, Sergueï. Pourquoi m'espionner? Il me semble qu'on est des chums. Une mission diplomatique, top secret. Vous êtes en danger. Méchants rôdent autour de vous. Qui? Mystère. C'est ce que moi essayais de comprendre. Le maire, avoir caché plein de machines infernales pour dominer le monde dans Micropus. Vous être parti avec Micropus sans le savoir. Et maintenant, tout le monde cherchait Micropus. C'est pour ça que le mercredi venu ici hier soir? Le mercredi être en liberté? Code rouchant, il faut le retrouver. J'arrive. Je suis les renforts. Je suis Jean Quête, le meilleur enquêteur depuis Indiana Jones et le secret de la licorne. La gendarme fait actuellement le tour de la ville pour retrouver le mercredi. Ah, pendant que Da cherche crédit, nous cherchons Micropus. OK, ben Maria et moi, on va vous laisser à votre enquête. Puis je pense que le bébé a comme besoin de prendre l'air. On va y aller. Bonne idée, Annie. Laissons-les entre gars. J'en reviens pas. Toi, mon meilleur ami, tu m'espionnais. Moi, juste suivre ordre. C'est assez. Il me semble que si ma vie est menacée, je devrais me sentir concerné, puis il faut que je sois au courant. Tu me connais. Je n'irai pas bavasser vos secrets à l'ennemi. Mais toi, dois pas faire confiance à l'autre truie. Tu veux dire à autrui? Da. Les autres truies sont partout. Elles pouvoir trouver Micropus avant nous et faire disparaître Saratatin. Et c'est pour cette raison qu'il faut mettre la main sur cette preuve. Grâce à cette puce, nous serons en sécurité et nous pourrons mettre le mercredi au cachot pour de bon. Et à quoi ressemble la micropuce? Je ne le sais pas. Elle est minuscule. Et elle peut être cachée n'importe où. Dans ce cas-là, cherchons. Aussi bien chercher une anguille dans un bol de foin. Ah, moi, utiliser détecteur de micropuce. Merveilleux! Vous êtes vraiment bien équipé dans les forces spéciales. Ah, ça être normal, car pas être votre gouvernement qui être responsable de nous. Regardez, le détecteur nous indique que la micropuce se trouve par là. Oh, ça fait du bien, une bonne marche, hein? Tu as raison. Non, les gars ont l'air d'être partis. Bon, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, là? Je ne peux pas. Je suis une agente double. Une agente double? Comme Sergueï? Oui, mais Sergueï ne sait pas que je suis une agente double. Il croit que je pense que je suis son assistante. OK. Mais c'est qui? Je suis Maria, ton amie. Ouais, mais tu joues pas un jeu avec moi? Non, pas avec toi. Je sens que je peux te faire confiance. Mais si t'es mon amie, comme tu dis, tu vas me dire tout ce que tu sais. Yeah. C'est la micropuce. J'ai été engagée par mon pays, l'Espagne, pour espionner la Russie qui espionne Saint-Tintin. Tu l'as décrapé. Okay. Pourquoi l'Espagne veut que tu espionnes la Russie? Ils ne se font pas confiance.
On a donc organisé une fausse rencontre entre Segeg et moi. Je devais faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi afin de suivre ici et trouver la micropuce avant lui. Donc, toi et Sergei, vous ne vous aimez pas vraiment? Oui, maintenant, je l'aime, mon Segeg. Je suis tombée sous le charme de cet homme, avec son ton sec et son sourire absent. Est-ce que ton gouvernement sait que tu l'aimes vraiment? Non, il ne faut pas qu'il le sache. Je serai renvoyée et je perdrai ce gueule. Je ne pourrai plus jamais vous voir, mon ami. Non, non, mais inquiète-toi pas. Hein. Moi, je suis gardé un secret. Parlant de secret, il est vraiment discret, ton bébé. On ne l'entend pas. Non, c'est vrai, hein? Il est très, très calme. Mais le docteur, il ne dit pas ça, il est avec ça. Il paraît que c'est normal pour des bébés en plastique. Je crois que c'est ici, Asma. Allez, faites votre discours. Vous êtes certain? Bonjour, perdu. Annie, que faites-vous ici? Vous êtes chez moi. Vous habitez dans la salle communautaire depuis quand? Non, vous êtes dans ma maison. Oh non! Est-ce que ça veut dire que je vais être en retard pour mon discours? Je devais accompagner Asma Belle à la salle communautaire pour son discours. Tu fais un discours, pourquoi? C'est parce que j'ai beaucoup aimé ça être élue Miss Crapette 2015. Ça fait que je vais être encore à être élue pour d'autres choses. Le perdu m'a dit qu'il y avait des élections municipales. Je veux donc devenir Miss Mère. Tu veux dire mairesse? Non! Miss Mère! Miss Mère, tu veux hypnotiser la population? Non! Je veux juste qu'ils m'aiment et leur faire des bye-bye. Et toute la paroisse est derrière elle. J'ai d'ailleurs informatisé son programme électoral. Puis c'est super intelligent ce que le perdu a fait. Vous voyez ce fruit? C'est une pomme? Non, c'est un high-pomme. Tout le programme d'Asma est dedans. Si vous collez votre oreille, vous allez l'entendre. Oh, c'est astucieux. Mais attention, ne la secouez pas. Si on la lance, elle se transforme en grenade. Est-ce que je peux pratiquer mon discours une dernière fois, s'il vous plaît? OK. Merci, merci. OK, j'y vais. Allô les madames, allô les messieurs. Mon nom est Asma Belle. Avant, il y avait des méchants. Moi, je suis gentille et je souhaite la paix dans le monde. C'est pour ça que je veux devenir votre Miss Mère. Si vous votez pour moi, je vais dire à tout le monde que vous êtes beau, puis que vous êtes gentil et que vous aimez le pâté chinois. Oui, vous êtes prêt à accueillir les autres cultures en les mangeant. C'est ça l'ouverture d'esprit. Et le pas racisme. Il n'y a pas de différence que les autres viennent d'ici, de la Nazie, de Madame Gaspard ou d'Indochine. On vous aime tous égales et on vous envoie des bisous pleins d'amour. Votez pour moi et je vous promets d'être élue.
Très beau discours, hein? Merci. Je l'ai écrit toute seule. Mais je crois que le vrai discours commence à bientôt. Oui, vous avez raison. Comme la salle communautaire est à l'autre bout de la ville, nous allons prendre ma nouvelle moto bipède. Elle possède un moteur à congestion qui nous propulse à plus de 66 km à la seconde. Au revoir! Mais la salle communautaire est comme à 2 minutes de marche d'ici, mais... On ne s'ennuie pas avec le perdu. Non. Oh mon Dieu! Hey, c'est le chaos dans la ville. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Je sais pas, il n'y a plus rien qui fonctionne. En arrivant ici, j'ai croisé un genre de moto avec des pattes qui couraient vite comme l'éclair. Est-ce que je deviens fou? Ah non, ça c'est juste le père Dieu avec son nouveau gadget. Et là, c'est pas tout. Il y a des choses étranges dans la ville. Il y a des objets qui bougent tout seuls, des animaux qui parlent, des choses qui disparaissent mystérieusement, mais aucune trace de micropuce. Oh, pauvre chérie. T'as travaillé très fort, t'as pas trouvé ta pupuce, hein? Ben voyons, Annie. Qu'est-ce que t'as? Ça doit être les hormones maternelles. Ah non, excuse-moi. Non, je sais bien que t'es pas un enfant, là, mon petit chéri mignon tout plein. Ça sort tout seul, là. Essaye de te contrôler. On a de la visite. Oui, mon chéri. C'était qui le beau franzeux? Hein? C'était qui le beau franzeux? Est-ce que tu fais ça souvent? Non, c'est la première fois, là. On vient voir maman, hein? T'as de grosses pépines? Wesh, compare-toi pas à ma mère! Bon, tu devrais peut-être aller t'étendre un peu. Ça va calmer les hormones. Oh oui, c'est une bonne idée. On met à tantôt. Mon beau cagacou. Non, excuse-moi. Toi, oui, étends. Pose-toi. C'est bizarre. On dirait qu'il est comme ça juste avec moi. Il a remarqué aussi. Prends-eux. Tu es certain que tu n'as pas vu de micropuce? Tu sais, tu peux me le dire à moi. Voyons, Maria. Essayes-tu de me creuser? Non! J'essaie juste de trouver la micropuce avant mon mari. Mais j'ai pas trouvé votre micropuce. J'aimerais ça le savoir et où pour vous la laisser et avoir la paix avec ça. Tu veux que je te laisse la paix? OK. Je m'en vais. Au revoir. Non, attends, Maria. Je veux juste en finir avec cette histoire-là. Alors, tu vas me la donner? Je ne l'ai pas, je te le jure. Ma chérie! Toujours rien. Le signal nous ramène ici. Nous tournons en rond. En attendant, vous allez bien rester pour manger un petit quelque chose? Non. Cherchez, ça creuse l'appétit. Mais parlez pas trop fort. Annie est couchée avec le petit. C'est pas possible. Quoi possible? C'est mon coéquipier. Il a trouvé le mercredi. Il était sur la scène en train de faire un discours. Il s'est alors approché de l'objectif furtivement, comme un guépard devant une proie égarée. Au moment où il allait sauter sur son objectif, le mercredi a disparu. Comme par enchantement. Non, pas possible. Par la suite, l'agenda a vu une petite fille avec des ailes qui se sauvait en riant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être une des filles qui s'est sauvée hier soir. Les filles, ça n'existe pas. Mais je vous le jure, c'est elles qui ont accéléré la grossesse d'Annie et qui ont déréglé ses hormones. Tu nous prends pour des imbéciles? Dis-nous où tu l'as caché, ou je t'embrasse avec mon rouge à lèvres empoisonné. Ça est tracé. Franze être mon ami. Je être certain qu'il est de notre côté. J'aime pas les menaces, Maria. Si c'est comme ça, ben t'auras pas de dessert. Calmons-nous. Si personne ne trouve la micropuce, le monde n'est pas en danger.
Soyez sans crainte. En attendant que cette affaire soit résolue, le service de police de la ville s'assurera que vous êtes en sécurité. Merci, Jean. Ça me rassure. Vous pourrez passer à table? Bonne idée. Moi, avoir faim pour manger un loup. J'ai des restants. Désolé, j'ai pas eu le temps de cuisiner. Ah non, papa, t'es aux écrevisses. Oh, désolé, Sergueï. Et je pensais plus à ça. OK, c'est fini, là. Ils sont partis, les écrevisses. Tu aurais dû faire attention. Non, non. Ça va être correct. Moi, devoir affronter mes peurs. Donne-moi écrevisse. Moi, être plus fort que lui. Surtout qu'il est mort. Ah, mon Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Sergueï qui combat ses peurs. Bon, mais il n'est pas obligé de me réveiller de même. Où, Butch? Hein, Butch? Notre bébé? Oh, non, il est dans la chambre. C'est étrange qu'il ne pleure pas avec tout ce bruit. Plus d'écrevisses, plus d'écrevisses. Moi avoir mangé tout. Peur, parti. Je suis fière de toi, mon beau. Bon, super, là, sauf que là, j'ai comme besoin de me reposer. On se fatigue, tu sais, avoir un bébé. Donc, on voudrait le laisser dormir un peu. Je veux pas vous mettre à part. Mais comme... Je compagne. Repose-toi bien. Ah! Au revoir, mon ami. Nous allons trouver les méchants. Au fait, avant de sortir, je dois vous avouer que je trouve cette histoire de bébé un peu louche. Pourquoi? C'est naturel d'avoir un bébé? Avoir un bébé, oui. Mais concevoir le bébé et accoucher moins de 24 heures plus tard, c'est, comment dirais-je, un peu rare. Mais il n'y a plus rien qui va me surprendre dans cette ville. Je comprends, mais quand même, un bébé en plastique. Ben oui, mais il est différent. Puis, vous n'êtes pas raciste, là, M. Kent? Non. Peut-être que je me pose trop de questions, mais j'ai besoin de tout comprendre. Si je veux résoudre cette affaire. C'est normal. Bonne soirée. Merci. Oui, je me suis réveillée en sursaut, là. Mais ça m'a fait du bien de dormir un peu, quand même. Hey, c'est vrai. Tu ne traites plus en bébé. Excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai. Mais Jean, il a raison. C'est bizarre, ce qui nous arrive. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? As-tu entendu notre boîte pleurer depuis sa naissance? Non. C'est un bébé très calme. Un peu trop. Tiens-tu te coucher? C'est demain les élections. Il faut être en forme pour bien voter. Méchant choix. Le mercredi ou Asmabel? C'est ça la démocratie, hein? On vote pour le moins pire des deux. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, Annie et Franceux sont inquiets au sujet de Butch. Il n'a toujours pas pleuré. Non, il ne mange pas. As-tu essayé de l'allaiter ce matin? Oui, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il a besoin d'une maman en plastique. Sois pas inquiète, là. On va trouver ce qui ne va pas avec notre bébé. C'est peut-être le stress de naître trop vite. Peut-être. Tu sais, j'ai cherché de l'information sur Internet pour pouvoir aider notre bébé, puis il n'y a rien. J'ai rien trouvé. Jamais personne n'a accouché d'un bébé en plastique en moins de 24 heures. Mais c'est parce que t'es spécial. Dans quel sens? Dans le bon sens. Tu devrais aller répondre. Au moins, on a été tranquille cette nuit. Ouais. Allô, mon petit Franceux! Comment va la famille? Ça va, mais ça va un peu vite. Non, je ne ferai pas la spite. Comment va grand-papa? Il a des hauts et des bas. Il délire. Il est un peu sourd. Mais on l'aime beaucoup. As-tu des nouvelles de l'ennemi? Je commence à penser qu'il ne délire pas tant que ça. Il disait que j'étais en danger et qu'il avait raison. Où ça, des pigeons? Comment? Tu es en danger?
Mais oui, mais c'est pas important. Comment ça, pas important? En fait, j'ai pas le droit d'en parler. Du pigeon mariné? Mais je suis ta mère. J'ai le droit de savoir. C'est en lien avec le mercredi, mais je peux pas t'en dire plus. Avec de l'herbe à puce? Mais là, fais tes valises. On part. On va te cacher. Non, ça va, ça va. La police est là pour me protéger. Puis ils sont sur le corps. Ça va aller. Avec du coca? Mais tu es quand même en danger. T'as raison sur un point. Je pense que ça ferait du bien de sortir un peu. Es-tu libre pour garder ce soir? Oui, tu peux le faire mariner avec une bouilloire. Oui, oui. Non, désolé. Wilfrid a un rendez-vous avec son médecin ce soir. Le docteur qui n'est pas là, je dois l'accompagner. Oh, ben c'est dommage. Hein? C'est vrai que ça nous ferait du bien de sortir de la maison. Mais vous pourriez peut-être demander à Sophie. C'est la fille du docteur qui n'est pas là. Elle est peut-être libre ce soir. Et c'est une bonne fille. Je suis certaine qu'elle pourra vous dépanner. Du pigeon pané? Ah, ben c'est une bonne idée. Ah oui, je vais l'appeler. Au fait, maman, pourquoi tu viens nous rendre visite aussitôt? J'avais le goût de te voir et de connaître mon petit-fils. Ton petit-fils? Au fait, on ne connaît pas encore le sexe du bébé. Mais je te connais, là. D'habitude, tu ne te lèves pas avant 9 heures. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est juste que on n'a pas pu venir hier après sa fugue. J'ai recouché Wilfrid dans sa bassinette. Il regardait son mobile en répétant des codes secrets. Puis il s'est endormi en fixant le petit poisson rose. Quelques minutes plus tard, des hommes habillés tout en noir sont rentrés dans la maison. Ils nous ont ligotés et emmenés je ne sais où, les yeux bandés. Je suis allé chez l'épicier. Et ils nous ont posé des questions à propos d'une micro-plus. J'ai pas trop compris. Ils nous ont finalement laissé partir après 24 heures d'interrogatoire. Voilà, trop fatigué pour quelqu'un qui a pas dormi de la nuit, depuis plus d'un jour même. C'est parce que j'ai dormi pendant l'interrogatoire. J'ai toujours eu la manie de dormir avec les yeux ouverts. Alors, ils s'en sont pas rendus compte que je dormais pendant qu'ils me torturaient. Ils préparaient des cornets. Mais c'est rien. Si je compare au moment où je suis somnambule et que je rêve que je suis Catwoman. Es-tu correct, maman? Oui, ça va. Mais j'aime pas ça. Ça sent pas bon. Oui, c'est ça. Des cornets aux poissons. Bon, mais je viens de parler à Sophie, elle va être ici à 16 heures. On devrait être capable de changer les idées avec un bon souper au restaurant puis un bon film au cinéma du perdu. Oui, oui, mais... Oui. Es-tu certaine que c'est une bonne idée? Non! Le poisson n'était pas né. C'est ton idée. C'était un œuf de poisson glacé qui avait une puce. On va faire la sortie, mais on va demander une escorte policière. Oui, va voir dans la litière. Je crois qu'elle y est tombée. Nous, on va y aller. On va aller voter. Puis, on va aller se reposer un peu avant d'aller au rendez-vous de ton grand-père. C'est le colis mystère. Merci d'être venu nous voir. Oui, tu dois me croire. Au revoir, mon fils. Sois prudent. Au revoir, mon petit Butch. Il est trop mignon. Et ça va nous faire du bien, là. Les derniers jours ont été pas mal stressants. Tu t'inquiètes plus pour notre bébé? Ben oui, mais c'est sûr, mais... Je sais pas, mon instinct de mère me dit que Butch est en sécurité. Peut-être que finalement, il est plus en sécurité que nous. Ouais. J'ai confiance à nos amis aussi, hein. À eux, oui, mais pas aux autres. Essaye de relaxer.
Si je demandais au perdu de me prêter un de ces fameux GPS alimenté une pile anxiogène, est-ce que ça te rassurerait? Ouais. Bon, ben c'est réglé. On va au resto puis au cinéma. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu veux manger? Ok. Choisis le resto et je choisirai le film. Parfait. Choisis le resto, tu me laisses choisir le film. Ok. Oh, qu'est-ce que tu dirais d'essayer le nouveau bistrot, le pied de biche? Il paraît qu'il y a vraiment un délicieux ragoût de pâte de luciole, puis un gâteau en gingembre salé aussi. Non, je sais pas si... Non, ça va être super. Pour le film, ce serait bien d'aller voir le dernier film de Steven Lucas, La guerre des voiles, L'Empire contre-attaque, ou Le journal d'Indiana Jones. Ouais. Oh, j'aimerais mieux aller voir Les plages de votre amour. Il paraît que c'est super bon, même qu'on voit Matthew Conry torse nu. Je l'aime pas trop. OK, bien c'est réglé. Je vais aller me préparer. Occupe-toi de Butch, OK, en attendant. Et moi, est-ce qu'on peut tenir compte de ce que je veux? Attends-moi, Annie! Après les nombreux préparatifs d'Annie, François est enfin prêt à suivre cette douce note, cette sortie en amoureux. Je suis prête! As-tu changé d'idée pour le film? Pourquoi? Je te l'ai dit, je l'aime pas, Matthew Conry. Non, on t'oublie, pas de problème. On va aller voir Voyage au centre de ma mère. C'est l'histoire d'un homme qui redevient enfant et qui finit par retourner dans le ventre de sa mère. C'est mieux. Bon. Voyons, Franzeux. Fallait que tu me le dises si tu n'aimais pas ça. Je peux pas deviner. Bon, la gardienne devrait pas tarder, hein? Ça va nous donner le temps d'aller voter avant souper. Oui, c'est important. Allô, Sophie. Salut. Hey, cool, votre cabane. Je te présente Butch. Il est vraiment pas compliqué comme bébé. Hein? Il pleure pas, il mange pas, il boit pas, il bouge pas, puis il pèse pas. T'as juste à le surveiller pour pas le perdre. Il est cool, votre bébé. Ben, je sais, c'est mon bébé. T'as-tu des questions? Y a-tu des chips? Oui. On a des chips, des liqueurs, des bonbons. Mais c'est pas pour le bébé, hein? Pas de problème. Je pense qu'on va partager avec lui. Puis, vous avez le câble? Oui, on a le câble. Bien, si tu as des problèmes, là, appelle-moi sur mon cellulaire. Mon numéro, c'est 13. Tu sors ta tête par la fenêtre puis tu crées mon nom. Là. Notre ville est tellement petite que c'est sûr que je vais t'entendre. T'sais. OK. Es-tu certaine qu'on devrait partir? Bon, ben, il est correct, le petit. Il dort. Y a-tu des bons films ici? Blanche-Neige et les sept mains. Boucle d'orge. Syndrome d'amour. Wesh. Il n'y a rien de bon ici. Ouais. Il y a des chips. Cigares au chou. Bœuf mariné. Aux artichauts, kangourou, canneberge, lavande. C'est pas des vrais chips, ça? Celui-là, il a l'air moins pire. Je vais goûter. Wesh! Ça goûte le brocoli, c'est dégueu! Ah! C'est-tu un petit bébé? Vous étions pas un poisson, mais vous étions cute pareil. Qui êtes-vous? Répondez ou je vous fais goûter aux chips de Monsieur Franzeux. Y avions-tu des chips à la morue salée? Je pense pas. N'étions pas grave. J'avions pas faim. J'étions un bon ami de Franzeux et d'Annie. J'avions oublié quelque chose hier quand j'étions venu les voir. Aurions-tu vu un poisson par ici? Non, j'ai pas vu de poisson. J'étais certain de l'avoir lassé ici dans la maison. Voulions-vous-tu aller voir si l'avions pas caché, rangé par là, là? OK, monsieur. Piti, j'étais le poissonnier de la famille. Je reviens tout de suite. Bon, où est-ce qu'ils avions caché la micropuce? J'avions rien entendu là-dessus, même avec les micros que j'avions cachés ici. Bonjour, chers concitoyens. J'espère que vous allez voter pour moi.
J'avions pas eu le temps de voter. J'étions en train de livrer du poisson toute la journée en essayant de trouver la micropuce. C'est pas grave. De toute façon, j'ai été réélu. J'ai reçu un peu plus de 10 000 votes. Puis la petite, Asma, elle en a eu juste 500. Pauvre petite. Mais nous étions juste 950 personnes dans le village. Tu veux dire 950 personnes vivantes? Je me suis arrangé pour faire voter les morts, les animaux et les plantes. Moi, je suis pour l'égalité. Tout le monde a les mêmes droits. Je suis un grand humaniste, au fond. Astucieux! J'ai rien trouvé. Qui êtes-vous? Je suis ton maire. Tu ressembles pas à ma mère. De toute façon, elle est morte quand j'avais 5 ans. Elle avait sans doute voté pour vous, par contre. Ah, t'es la petite Sophie. Ça doit pas être drôle d'être la fille du docteur qui est pas là, puis d'une mère absente. Ha! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je venais prendre des nouvelles. Comment va le bébé? Il est correct. Je fais bien ma job. Tu ferais sans doute bien ta job si tu ne perdais pas le bébé. Comment ça? J'ai pas perdu le bébé. Ah! Imaginez-vous que ce petit poupon repartira avec moi. Vous ne pouvez pas le protéger. J'ai besoin de la micropuce. Je vais donc l'amener en otage et suivre le plan que Dratanus Lebeau, chef de la mafia mondiale, avait pour moi. J'aimerais ça devenir empereur du monde. Je file pour ça. Ça fait que ça me prend l'arme secrète que contient cette puce. Il y a quelques jours, j'ai inspecté la pièce en venant rendre visite à Franzeux. J'ai rien trouvé. Mais je le sais qu'elle est ici à quelque part. Je le sens. Ce même soir-là, j'étais arrivé tout de suite après Monsieur le maire pour placer des micros. Et voilà, le tour est joué. J'avais juste à attendre qu'il me dise où est la puce. Mais y étions pas mal futés, hein? Y avions jamais dit où la trouver. Y faisions même semblant de la chercher. OK, mais si vous partez avec le B, est-ce que je vais quand même payer? C'est à eux que tu dois poser la question. Allô, Sophie, je voulais juste prendre des nouvelles du bébé. Le petit est encore là. J'espère que vous avez voté pour moi. Donnez-moi Botch. Il n'en est pas question. Il va m'aider à gouverner le monde. Vous le retrouverez lorsque vous me donnerez ce que je veux. Au revoir. Mais non, Botch! C'est beaucoup trop d'émotions. Je veux une augmentation. C'est pas le moment. C'est pas mal compliqué, vos affaires. Puis, c'est pas cool. J'espère que je vais être payé tant de trip. Puis, vos chips sont même pas bonnes. Ça se peut pas, Franzeux. Le petit Botch. Il faut qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Mais on sait pas où la micropuce. Ouais, je m'en veux d'être sortie. Il faut réfléchir, il faut réfléchir. Où elle peut être? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est ça! Regarde dans l'itière! On dirait que mon grand-père me répond. Ah oui, il est juste là. Tu n'as qu'à faire quelques pas. Dans la litière, tu penses que la puce doit se trouver là? Oui, dans le coin droit. Je pense que ton grand-père sait où la trouver. Bon, c'est l'explication la plus logique. OK, je vois. Ah! Tu l'as trouvé! Hey, mais je pense qu'on n'a pas de chat. Pourquoi on a une litière? Ah, c'est pour mon grand-père. Ça le rassure d'avoir une litière dans la maison au cas où la toilette est occupée. Ah. Vous l'avez trouvé! Bon, ben, je prendrais bien une petite bière à la réglisse noire pour fêter ça. Ah, ben, je vois, c'est tout mon tour. C'est vrai que je vous ai joué un bon tour, hein? Bon, c'est qui encore? Bonsoir! Je viens vous annoncer qu'on a retrouvé mercredi avec la clé à molette dans le living room. Et notre bébé?
Il est ici? Oh, mon bébé! J'ai eu peur de te perdre. Ah, regarde, il est devenu blanc. Oh, c'est sans doute l'émotion. Ah, ouais. C'est l'agent d'arme qui est chargé d'escorter le maire jusqu'à une nouvelle prison. Une nouvelle prison? Oui! Une prison créée par le père Du en dessous de la ville. Ils sont emprisonnés par un mur invisible créé par un champ de force nucléaire. C'est pas un peu dangereux? Ben non! C'est le père Du qui s'en occupe. Un homme d'église ne pourrait jamais mettre notre vie en danger. T'as sûrement raison. Prendrais-tu une bière? Non! Impossible! Je suis en service. Je viens vous faire un rapport des activités qui vous concernent. Ben, merci. Nous savons tout! Nous avons dompté des puces savantes pour qu'elles sachent utiliser des mini-caméras. Ensuite, nous avons placé ces puces un peu partout dans votre maison. Et nous avons entendu la confession des méchants. Et notre intimité? Je ne crois pas qu'il y ait de problème. Les puces n'étaient domptées que pour filmer les méchants. Il y avait un vendeur de poissons avec le mercredi. Les deux étaient méchants. Donc, vous savez pas qu'on vient de trouver ce que vous cherchez? Non, je peux les ramener au poste. Ah oui, ah oui, j'en veux plus, hein. C'est fini. Je veux plus en entendre parler, tenez. Wow! Elle est belle! Franceur, as-tu entendu la nouvelle? C'est horrible! Voyons, qu'est-ce qu'il y a, maman? J'aimerais ça être Peter Pan. C'est là que tu te cherchais, toi. Cherchais grand-papa? Non, il y a pas. Ta sœur a été enlevée. Ma sœur? Depuis quand j'ai une sœur? Non, voler, ça me fait pas peur. Nous avons su tout à l'heure. C'est le docteur qui est pas là qui nous a annoncé que notre ADN était compatible avec celle de la future mairesse de Saint-Rintintin du lac des Crapets. Je ne suis pas épais. Comme le maire Crédit a triché, il a été disqualifié. Mais comment ça se fait que j'ai une sœur? Un peu avant ta naissance, j'ai eu une aventure avec un homme charmant. Il m'a conquise, je suis tombée enceinte de lui, sauf que j'ai appris qu'il avait tendance à tuer ses conquêtes. Je me suis donc sauvée et j'ai accouché dans un paquebot. J'étais une passagère clandestine. Après avoir mis au monde la petite Asma, je suis tombée sans connaissance et à mon réveil, elle n'était plus là. Mais c'est qui le père de ma sœur? Il se nomme Dratamus le Beau. Il est présentement en prison. C'est vrai! C'est parce qu'il est méchant! C'est pas gentil de tuer des gens! Oui! J'ai déjà été sergent! Et où est ma sœur? On ne sait pas. Après avoir appris qu'elle était ma fille, je suis allée la voir et elle était si contente. Elle voulait devenir Miss Mère et elle venait de trouver sa mère. J'étais responsable du département des mystères. Il faut la retrouver. Oh oh! Dratanus s'est sauvé! On le soupçonne d'avoir enlevé Asmabelle! Dans le cas, j'étais un peu rebelle. Il a enlevé sa propre fille? Ben là! Je le sais pas, c'est propre! Anzo, je suis encore enceinte. Encore? Hey, le test de grossesse l'a dit, là. Peut-être que c'est la magie des filles qui est encore active. Oh! Aïe, aïe! Et je commence à avoir des contractions. Veux-tu qu'on aille à l'hôpital? Ah! Oh! Non, 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 attends un peu. J'ai un message à livrer. On a vécu pas mal de choses ces derniers jours. Ah! Oh! Mais l'important, c'est la famille. Ah! Oh! Ah! Oh! Oh!
Ah, la mienne est en train de se construire. Celle de mon phraseux, mais il vient d'apprendre que la sienne est plus grosse qu'il pensait. Ah! L'important, c'est qu'on s'aime. On va finir par la retrouver, ta sœur, OK? Ah! Mais pas de suite, OK? Ah! OK, je pense qu'il faudrait qu'on y aille. Oh, je contracte. Ah! Et on y va. Oui, oui! Oui, oui! Petit oiseau de nuit, ici Alfred. Opération Miss Mère en cours. On va te retrouver, ma petite fille. Oui, oui! Oui, oui! Oui, oui!